Comment ça, mon Varus et Unranked? Quoi cette merde? Ok, c'est parce qu'il était GM la saison dernière, tout va bien. Salut à tous, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on est avec Zyra, Super Unranked. On est actuellement D1, je sais pas combien. Oh, ok, ça c'est faible. Ah, dommage la ward. Vas-y, barrez-vous. Juste mettre ça, moi. Hop, nice. Un des golds. Ok. Bon, ils m'ont donné 60 gold. Bon, ça aurait été bien si je n'avais pas acheté les potions. J'aurais pu faire le trick d'acheter des potions rechargeables contre la botlane adverse. Ça aurait été plutôt cool en vrai. Faut faire attention parce que Senna, ça peut mettre des patates. Faut vraiment pas que les trades soient longs. C'est bon, on est fine. Normalement, ils font pas la cheese level 1 ici au tribush. Parce que c'est de la merde à Philos level 1. Je joue bien les kills, hein. Ok. Il exhaust. Ouais. Good. On va pas se mettre là. Wait. Ouais, quoi, mon E? Non, mais j'en reviens toujours pas de mon truc. Mais c'est quoi cette merde? C'est trop triste qu'on l'ait pas tué là. Ah, ils sont sérieux. Mais comment ils esquivent mon E? C'est quoi cette merde? Parce que ses sorts à les lancer, c'est pas ouf, mais à esquiver, c'est incroyable. C'est bizarre, mon E, je n'arrive pas à le toucher. Ouais, bizarre. Bizarre. Hello darkness, my old friend. Je sais pas quoi faire. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est très très dur la game. J'ai l'impression de faire zéro dégâts avec le build normalement où je suis censé faire le plus de dégâts ever, genre. Trop chiant. Il faut punir à un moment donné. Hein. J'ai failli flash, putain. Non mais... Non mais là c'est quoi cette game en fait? J'ai l'impression d'être un silver les gars. Je me sens mal genre. Je me sens trop mal dans la game, j'ai l'impression d'être une merde. La botlane, je ne pouvais rien faire, je me suis fait péter le cul. J'ai mute personne. Personne m'a insulté à propos du KDA, j'ai l'impression d'être dans un autre monde là. C'est un peu risqué ce que je fais là. Là, faut finir ici, les gens. Je lui ai fait un peu de dégâts. Il y a de l'anti-heal. Bon, j'ai cancel le baron. Ils l'ont fait en sneaky, les bâtards. Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il faisait le baron, no joke. Je pensais qu'il y avait déjà des wards. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. C'est...
C'est risqué as fuck ça, non? Non, non, stop. J'ose pas faire des calls parce que j'ai l'impression d'être vraiment moins fort qu'eux. Mais là, il y a des trucs... là, reprendre le baron après ça, non. Non, tu arrêtes. Ouais. Je pensais pas qu'il allait aussi vite, le bâtard. Ça va être hardcore. On a rien. Est-ce qu'on leur donne? Non, non, faut y aller. Ah ouais, il fait des dégâts. Il était fine. Dommage! Dommage qu'ils vont trop deep. On en a oublié un. Le Viego était caché. Close. La seule bonne nouvelle, c'est que je veux toujours pas d'argent. J'ai pas de control ward. Ça a tout piqué là. Oh nice. Oh, on a chaté là. Ah dommage. Ah il a quand même tué. J'ai quelques dégâts. Putain, c'est quoi cette game? Pourquoi ça joue aussi bien? Nice. Après shot lui. Il ignite tout de suite. Nickel. Elle a déjà wardé ici. Bien joué. On peut jouer. Faut le tuer avant que je meure. Dommage. Il a back l'autre hein. Nice. Nice. Puis là c'est pour ça. Un peu de... Oh, il fait le kill. Il meurt pas. Mais c'est moi ou ça joue trop bien, genre. Ok, là c'est la première game de ce compte là qui m'impressionne énormément niveau niveau micro macro. Et le plus important dans League of Legends, le mental. Je n'ai mute personne. Personne m'a flame. J'étais en 0-6-0 je crois. Incroyable. J'ai envie de dire GG pour la première fois de ma vie. Bon, lui il a pété un câble, mais... Bon, ils ont tous été trop bons. La Riven qui est en 2-6, qui arrive à faire des plays de ouf. What the fuck, c'était quoi cette game de malade? Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Instant Gaming est un site où vous allez pouvoir avoir les prix les plus bas du marché sur plein de plateformes. En vrai, presque sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir acheter des jeux comme FIFA 22, Monster Hunter Stories, F1 2021, Going Medieval, le jeu que j'ai acheté, je ne sais même pas comment ça fonctionne, Days Gone, j'y ai joué un petit peu, faudra peut-être que je le continue, ce jeu. Bref, j'achète tous mes jeux ici depuis presque... Mais combien de... Je sais pas si ça fait plus d'un an, et j'ai économisé
là bientôt 500 euros sur le site. Et c'est vraiment, ça marche incroyablement bien. Les codes, ils arrivent tout de suite. Tu peux même acheter des RP. T'as plein de nouveaux jeux, t'as même des anciens jeux. Donc passez par cette plateforme, lien dans la description et dans les commentaires. Allez-y, faites un tour. Vous allez peut-être avoir le jeu de vos rêves à moins 70%, on sait jamais. Ah oui, merde. Et en passant, il y a évidemment un giveaway complètement gratuit. Tu cliques juste sur le lien du giveaway. Tu veux un jeu, tu écris ce que tu veux. Bon, là, il te met des propositions, par exemple F1 2021. Ok, tu veux F1, boum, tu fais participer. C'est gratuit et t'as une chance sur je sais pas combien de l'avoir. Donc, have fun et à la prochaine. Ciao.